zane kame kwe e nou an bajo. Be ke le wadane ke yiton le kwa lwa, e me mpote nou le, e hwa me soko lwa akparika. E bo zanwa me pepe ke mpote nou we a, e me e be koko du pye sa sojo, kudo sanwa be terasa sojo yon. Après, il y a un peu de temps. Si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Nous n'avons pas demandé à être impactés par les effets du changement climatique. Nous ne sommes pas responsables. Nous voulons juste vivre une vie meilleure sur cette planète que Dieu nous a donnée. Je suis Germain Assi, directeur exécutif de l'Association des jeunes engagés contre le changement climatique AGIEC. Je suis activiste climat et également biologiste de formation. Ici au Togo, nous sommes impactés par les effets du changement climatique, à savoir la dégradation des terres, le dérèglement des saisons, la sécheresse, le manque d'eau. Et la plus importante et la plus visible qu'on voit au niveau du Togo, c'est l'érosion côtière qui impacte vraiment la vie des populations. Et si elle laisse bien dessiner, elle veut voir pour s'y toucher. Avec ton matin, c'est caca et la chalazin. Comme les gens ont remarqué, belle au le coup, caca 15. Comme on remarque, belle Jessie, elle est ouvert, il est battre. Comme tout la fille a des pingues par le coup. Et nous, les gens. Les gens. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un peu de temps. Tu as fait un peu de temps. Tu as fait un peu de temps. Tu as fait un peu de Nous perdons chaque année 1 à 5 mètres d'espace au niveau de la côte togolaise. La mer a englouti aujourd'hui des maisons, des habitats, des infrastructures. Il y a déjà deux routes qui sont déjà rentrées dans la mer, des cimetières qui ont été engloutis par la mer. Il y a des gens qui ont changé de maison plusieurs fois, 3 à 4 fois. Chambre amenée, salon de cas, ou d'eau terrasse. Tant que nous n'avons pas de terrasse, mais mon terrasse non, je connais. Donc, elle est quoi? Elle va vivre, vivre, Les pays africains ne contribuent qu'à hauteur de 4% des émissions mondiales. Si nous prenons le cas par exemple au Togo, une personne en Allemagne émet ce que 30 personnes émettent au Togo. Malgré qu'ils ne sont pas responsables des changements climatiques, ils seront, c'est eux qui seront impactés plus par les effets du changement climatique. AGIEC, c'est une association de jeunes engagés contre le changement climatique. Donc, notre principal objectif, c'est de mobiliser et d'impliquer les jeunes
dans la lutte contre le changement climatique à travers plusieurs activités, les activités de sensibilisation, de restauration des écosystèmes, d'éducation à l'environnement et la promotion des énergies renouvelables. Les pays pollueurs, ils continuent toujours pas à émettre comme ils veulent, ils ne réduisent pas les émissions et jusqu'à là, ils n'ont pas encore respecté leur engagement. Donc il y a une question de justice climatique que les pays pollueurs en fait doivent respecter. Ils vont encore produire, ils vont encore polluer l'environnement. Et nous, au lieu de se développer, on va chercher plutôt à atténuer ce que eux ils produisent. Accepter le financement climatique, moi je dis non, pas vraiment. C'est qu'il faudrait qu'on les incite à arrêter la pollution. Et si on accepte le financement, ce qui veut dire qu'on les encourage à polluer plus. Se dit que ah, nous on pollue, mais on paie pour ça quoi. Les vrais enjeux du changement climatique, c'est au niveau des pays pollueurs qui sont plus responsables du changement climatique et qui devaient se réveiller et prendre conscience des impacts des changements climatiques sur la population des pays qui ne sont pas responsables de ces phénomènes du changement climatique. Tous ces effets ressentis au niveau des populations togolaises, c'est carrément injuste. Il faudrait que les pays pollueurs prennent leur engagement et qu'ils respectent les engagements de l'accord de Paris.